Hi everybody, salut à tout le monde, c'est Willy qui vous parle en direct de Strasbourg, voilà, et bien tout ça pour vous dire que merci Bruno vraiment, mon copain Bruno qui m'a donné le filon cet après-midi où j'ai été déniché dans la boutique des CD pas chers, un arrivage de stoner extraordinaire qui m'a permis de découvrir des disques que je connaissais simplement d'internet, de YouTube et compagnie, mais que j'avais pas encore dans ma collection. On va les découvrir les uns après les autres très rapidement. Wouhouhou ! On va commencer immédiatement par évidemment les Karma to Burn que j'étais en train de passer là avec le fameux morceau 20. Un pavé dans la mare, et là j'ai déniché un album que j'avais pas encore, c'est cet album éponyme de Karma to Burn, avec toujours des images très suggestives, comme c'est le cas sur les pochettes de Stoner, ceux qui aiment la bécane, ceux qui aiment le sexe, on va dire, ou les jolies filles, pas comme moi donc, et donc voilà, Karma to Burn est rentré au bercail, voilà. Alors après, ben, j'ai découvert, alors ça a été ma surprise, Moss Generator en concert, un album que je pensais bien me procurer lors de leur prochain concert, pas plus tard que le 29 juin, je crois, ou le 26 juin en Allemagne, où je vais aller. Et ben Moss Generator est rentré dans la musette avec ce fameux concert dont j'attends beaucoup sur disque et que je n'ai jamais encore écouté. Alors là, on va passer à l'album Hermano. Hermano, oui, de John Garcia, tout le monde connaît, mais cet album est live, et oui, c'est ce qui en fait l'intérêt. Moi, j'adore les albums live, parce que même s'il y a des petits défauts, on y retrouve toujours l'énergie. Et alors, la petite surprise, ça a été de découvrir des albums d'Atomic Beach Walks. Eh bien, je ne les avais pas alors que j'adore ce groupe. Et j'ai rentré en l'occurrence le Spit Blood, voilà, avec toujours des photos très suggestives. Un album de 2 CD, dont j'attends beaucoup. J'ai trouvé également cet album assez rare. Voilà, c'est un album éponyme. Et puis j'ai trouvé un album peut-être un peu moins tranchant, mais qui a quand même ses qualités et surtout une très belle pochette. Voilà, encore un album des Atomic Beach Walks. Voilà, alors eh ben, on a fait un rapide tour de ces acquisitions de cet après-midi, c'est-à-dire tout à l'heure. Il va falloir que je défriche tout ça. Et puis, tout ça pour vous dire aussi que bientôt, enfin, vous aurez droit à la petite chronique des acquisitions que j'ai faites au Desert Fest de Berlin, que je vous ai promis et que j'ai pas encore fait, manque de temps. Et puis, voilà, ça sera fait, ça sera ma chronique, la chronique de Willy Warmer, en direct sur son site Facebook. Et ça sera très rapide, très synthétique, tout l'inverse de nos amis de desertrock.com. Voilà. À la prochaine. Bye bye.